utiliser. Attention. Je devrais appeler Gangsu et le tenir au courant. Alors, tu as trouvé quelque chose dans l'atelier de fils ? Si on va dans cette région, autant faire les bonus. Chaos aérien. On va y aller vite fait. Ouais, je sais pourquoi elle fait tout ça. Quelque chose est arrivé à son frère. Un truc grave. Oh non. Rick travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur le Nuform. Wow. Apparemment, le Nuform l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Il ment. Phil et son frère ont voulu faire annuler le réacteur prototype. Pour pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas encore. Finn a tout enregistré sur son téléphone, mais elle l'a perdu dans le labo. Je pars le récupérer. Écoute, je bouge pas. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ça roule. Alors. Maman va pas le croire. Combat aérien. C'est deux mots pour moi. Combat aérien. Dans ce défi, les ennemis ne subissent des dégâts que quand ils sont en hauteur. Effectue un maximum de chaos en l'air. Approche du point de départ quand t'es prêt. Combat aérien. Oh, ça va me plaire. Attaque sur la cible. Si t'as le vertige, ça va me chercher dans les airs. Oh, tu as perdu connaissance avant même de tout le monde. Waouh, je me sens. Gracieux. Et la foule est en délire. Faites pour elle. Pas la bim, pas la peau. C'est parfait. Attends, ça va me revenir. Spectaculaire. Toi et un frère fils du combat aérien, Miles. Et j'ai level up. Agrandis la zone d'effet de l'électro-marteau. Je prends. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent de la bioélectricité. Oh, va falloir que je les utilise. Gadget. Déjà on prend l'amélioration de ça. Recharge rapidement. Hop. Lance-toi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. En vrai. Ok. Ensuite, on a une cache juste ici. Mes amis, je dois vous avouer que je suis déçu. Pas à cause de Jared. Fait du bon boulot, pour une fois. Je suis déçu car certains d'entre vous ont, une fois de plus, décidé de faire confiance à un type qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui n'a aucune légitimité. Il y a un crime. Voilà.
Au-dessus. Ah, ok. Ça c'est à moi. C'est comme si l'underground me faisait un petit cadeau. Bonjour messieurs. Voilà mes plus grands fans. Salut. Venez que je vous donne quelques tapes amicales. Carrément des lance-roquettes maintenant. Wouah. Allez, où? Mais ils ont les armes de la milice de Spider-Man 1. En vrai, leur tenue, c'est pareil, c'est la milice de Spider-Man 1. Mais en rouge. Parce que dans Spider-Man 1, ils étaient blancs. Non, mais t'es sérieux, toi? Il s'est explosé lui-même. Eh ben... Sacré milice, hein. Ah. Et les travaux à côté, vous l'entendez bien. Le voisin, pile sur mon mur. Et Yokuzoku. Roue miniature. Des petits claps. Bah c'est pile poil derrière moi. Hey, la fille signale un cambriolage près de toi. Justement, on parlait de toi, Kuzoko, avec Matt. On se disait que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu stream. Bonjour messieurs. Mais c'est parce que tu m'avais dit que t'avais plus la... l'inspiration avec les jeux. Si je me souviens. Allez. Tu vas mourir. Tu vas morfler. Il a grandi son appartement. Ouais, c'est ça. Il va venir chez moi. Cache. Salut les loulous. Comme si New York n'était pas assez agité pendant les fêtes, sachez qu'il y a maintenant une tempête tropicale slash ouragan qui remonte la côte. Comme dans ce film où le bateau se retourne sur une vague géante à la fin, celui avec... Bref. Si la tempête s'abat sur nous, beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide. C'est le moment de faire un don à votre refuge de quartier. Et en attendant la prochaine fois, vérifiez votre note de crédit une fois par an. Vous avez droit à un rapport annuel gratuit. Soyez responsable. A plus. C'est bien d'avoir du positif en radio, parce que bon... Jonah... Il nous crachait tout le temps dessus. Carrément sur le bateau en fait. La capsule du bateau. C'était un vrai dépotoir avant. Ouais, capitaine.
Des raquettes. Après qu'on a remporté le concours du Forum. J'ai pas regardé ce qu'il disait là-dessus. Finn s'est passionnée pour la conquête spatiale. Elle a imaginé ce véhicule lunaire. Elle voulait réinventer le monde. Après avoir vu les JO, Finn est devenue super forte au ping-pong en une semaine. Ses lifts étaient incroyables. Elle faisait ce qu'elle voulait avec la balle. Elle est tellement agile. Les vacances de Noël, c'est pas des vacances. Un petit crime en cours là ? Où ça ? On dit pas où. Ah si, c'est bon. Loupé. Aïe, touché. Reviens là, toi. Ouais. Hey, dehors. Alors, Roxxon, c'est moi les malins. On a un truc là. On va faire un petit voyage rapide pour une fois. Hop. Un utilisateur a repéré quelqu'un en train de voler les marchandises d'un. Bonjour. Aïe. Ça devrait être le dernier. Merci pour le cadeau, l'Underground. Donc on a fait tout ce qu'il y avait ici pour le moment. On go histoire principale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger, responsable R&D chez Roxxon Energy. Monsieur Krieger, vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Newform, dont le premier sera bientôt mis en service à Harlem. Et pourtant, vous avez des détracteurs. D'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Je vais en finir avec ce gamin, ce Spider-Man. Viens, prends. Tu m'échapperas pas. Partez, il vaudrait mieux pour lui. Ce camouflage qui veut rien dire.
nous tous, on aura. Tu ne mourras pas aussi facilement que lui. Allez, zou. Et voilà, le quartier est un peu plus sûr. Je trouve ça dommage par contre que ça coupe la radio dès que il y a un truc qui arrive quoi. Les labos de recherche de Roxxon. C'est là que tout le projet de Nuform a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. Maintenant. Ce conduit a un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qu'il alimente? Faut que j'arrive à le désactiver. Ok. Des trucs, eh ben, peut-être que je peux aussi les décharger. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. Parfait. Et voilà. Y a des gens dedans, non? Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Les vacances de Noël, c'est plus que c'était. Je devrais être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et me gaver de biscuits en pain de pain. Sérieux. C'est par où? Oh. Quelqu'un est déjà passé par là. Attends, je viens de tourner en rond. La personne qui a conçu ça devait pas avoir les idées claires. Va sentir l'éponge. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Maintenez elle vers le bas. Ah. On peut passer loin. Hey, gamin. Qu'est-ce qui te fait rire? Pour un Miles, pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aaron, c'est toi le rôdeur? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute,
J'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. T'as... aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Il est télécommandé. Certains une famille de super-héros. Te fais pas prendre. Alors après, je connais pas le rôdeur, donc je ne sais pas si c'est un méchant ou pas. Mais... Comment t'as fait ça? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Qu'est-ce qui cloche avec les caméras? T'as encore des coupures? Non, ça c'était à Harlem. Bruno a flagué toute une centrale électrique. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Un téléphone? J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du silo du réacteur. C'est là que je dois aller. Oh ma terre, ouvrez-le. Oh ma terre, l'ordre de dors bien, mec. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo, et ensuite au réacteur. Un réacteur à Nuforme? C'est ce qui est marqué sur le plan. Hé, hey, où est le Nuforme que j'ai demandé? Oh, on essaie d'en fabriquer plus, mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et eh bien, il paraît qu'une dose de Nuforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être fait dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Krieger a un délai à tenir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis? Pour te protéger, tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. À toutes les unités, en matière. Je continue de patrouiller. Un truc. On a un code bleu. Cherchez celui d'en bas. 5 sur 5. On va débusquer. Couvrez-moi. Attendez, j'ai entendu un mot. Oh, ma terre. On a... Allez. Y a quelqu'un? Repérez-moi vite la cible. La cible est dans les airs. Mets tes armes à terre. On casse tout. Merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuforme. Le Nuforme a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Oh oh. Concentre-toi. Trouve le téléphone qui sort de là. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Je fais une ronde dans le coin. Bah attendre que lui passe. Dès qu'il se retourne dans le shop.
On va mettre là. Hey, pour faire une patrouille. Hop. Gare aux araignées, mon pote. Donc, j'adore ce mouvement. Pas blessé ou bien mort. Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro. Ouais. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. C'est une longue histoire. Attends. Le rôdeur? Le voleur dans son costume violet? L'ancien. C'est pas ici. C'est temporaire. Ton oncle est le rôdeur? C'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais. Je dois laisser dans le vide. On en reparlera plus tard. Faut être plus rapide. Roxxon pouvait pas trouver pire pour sa pub. Bonk. Ok. Ces gosses de l'underground. Il en reste plus que 3. Voilà. Alors. Dépêche-toi, petit. J'essaie de désactiver les caméras et les alarmes pour qu'il n'y en ait pas plus qui débarquent. Brise les câbles au-dessus du ventilo et ils devraient s'arrêter. Merci. Les commandes du ventilo. D'accord, on les tenir en place. Et maintenant les câbles. La batterie est déchargée. Il n'explose pas. Cool. Bon. Caméra, vidéo. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuform. Ça t'embête pas? De détruire ta création? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt? Prêt. Lancement du forçage dans 3... 2... Finn. C'était pas moi. Sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Je peux l'arrêter. Je peux l'arrêter. Non. Vite, regarde pas. Oh là 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 là. Il a sauvé les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron,
Tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, oncle Aaron. S'il te plaît. Oncle Aaron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. Wow. T'arrives à bouger ? Ouais. Passe par ce couloir. Vite ! Je me sors. Vraiment. Pas bien. Ah, il y a les PV. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Robson. Ah. Nouvel ennemi. Salut, Rémi. On a reçu la structure de t'enfermer. Ils ont reçu l'ordre de te capturer. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Étudier, déranger. Te laisse pas faire. On va se taire. Oh, merde. Miles, je viens de me faire éjecter du système. Donne-moi une minute, je vais te sortir de là. Gagné. Ça suffit. Hop là. Ensuite. Allons-y, avant qu'il en arrive d'autres. Waouh. Trop cool la technique de camouflage. Comment ça marche. Tu prends à gauche, je prends à droite. Ça craint, Mike. Ça craint à mort. Yeah. T'inquiète pas, on est plus fort qu'eux. C'est pas eux qui m'inquiètent. Ce qui se passera après contre-attendu. Krieger nous a tous les deux dans le collimateur. Je te tiens. Les PV. Ils font bobo. Je ne prends plus normal. Les hommes de Roxanne disposent de contre-mesures bioélectriques qui s'appliquent à un effet d'entrave. Ouais. C'est tendu. On va y arriver. Oh.
Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... Il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais... Ah bah ça... Ah ouais, non, mais là... Tu sais ce que tu dois faire. Noyau du problème. Je devrais appeler Finn. Non, non. J'ai le temps d'aller patrouiller. Ouais. Hop. Alors, j'ai juste ma manette qui est déchargée. Miles, tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne? C'est un truc de malade. J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub, mais on devrait peut-être y réfléchir. Non. Ça marche. Non, t'as raison. C'était juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn? Ouais... Mais... Il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à Nuform. Quoi? Et t'es pas mort? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Mais après, j'ai relâché toute l'énergie dans une espèce de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Oh, il faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant? Oncle Aaron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer une forme qu'elle lui fait. Ah, c'est trop bien. Quand on vole, enfin, quand on se balance, t'as... Il crie. Miles. Laisse ces gens partir. Je peux régler ça calmement. Pour faire en sorte que... Enfin, pour dire qu'en l'air, on n'entend pas grand-chose. Tu peux pas t'enfuir, t'es dans la gomme. Souci du détail. Fuck on, punch! Ouh, fini! Il en reste combien des prisonniers en cavale? Alors... Je vais mettre une deuxième lentille. Augmente la fenêtre d'esquive parfaite. Munition gadget, active automatiquement. Juste avant d'être repéré pendant un combat... actif. Devient visible pour être absorbé au contact pour énergie. Dans un scan. Les ennemis, tous les autres ennemis qui peuvent actuellement le voir. L'esquive est très bien. Là, on a débloqué d'autres trucs. Chaque sixième coup d'un combo paralyse l'ennemi. Bonus de camouflage. Augmente tous les gadgets de munitions. Enfin, les munitions de gadgets, pardon. Gadgets de munitions, on va pas se prendre. J'ai deux points de compétence. Double la durée des paralysies, agrandit la zone d'effet du point bioélectrique. Ouais, je prends. Maintenez triangle pour saisir et lancer une arme imprégnée.
Oh. Je prends. Alors, on n'a pas de quête principale pour le moment parce que le héros ne s'est pas décidé. Par contre, on a ça. Braqueur de petits commerces. Est-ce que c'est des...